Jackie, ils sont aussi bien à l'intérieur, à l'extérieur ça flotte, donc voilà, on va faire le déballage à l'intérieur. Donc encore une fois, des new carpads qui sont venus, donc qu'est-ce qui se passe? Ici, on a un nouveau paquet, on en a même deux en un. Et du coup, on va voir ce que c'est, on va déballer tout ça ensemble, allez hop. Putain, maintenant vous savez ce que c'est, non? Mais quelle couleur et quelle marque et quel look et quel machin ça va être? A tout de suite! Et later sit, frisch gemutiert, neue Schraube. Et bien évidemment, numéro 2. Et voilà, donc les sièges sont en place. Donc on a bien sûr, c'était pas des sièges pour les 36, c'est des sièges pas universels, mais juste pas pour cette caisse on va dire. Donc voilà, c'est plutôt un style JDM, donc j'espère que ça vous plaît. Ça change un peu du cuir ou du ainsi de suite, enfin c'est pas que j'ai quelque chose contre le cuir, mais ça fait plutôt un look JDM et ça change un peu. Bon, comme vous savez, ou comme vous connaissez le design de la Golf, ben, je suis plutôt du genre funky, même si j'aimerais encore faire plus de funky, mais malheureusement avec nos lois, ben, c'est compliqué. Mais bon, voilà, du coup les sièges sont en place, on s'est fait des glissières nous-mêmes, du coup, on a plus des glissières nous-mêmes, on peut se soulever et puis garder la fonction d'avant à arrière, et puis pour régler ça comme on a besoin, et du coup, on va voir ça ensemble. Hein. Allez hop! Un petit bonus que je viens juste de terminer là. Perso, je trouve ça plutôt pas mal, surtout pour les balades et plutôt pratique. Donc, on va voir ça ensemble. Allez, hop. Donc, vous demandez sûrement c'est quoi ce machin là? Qu'est-ce qui fait avec ce truc là? Ça paraît, je l'ai fait moi-même à partir d'une plaque fine, à partir d'une plaque plate, je veux dire. Et du coup, il sert à quoi ce support? On va le montrer là. Et donc, voilà, ben ça sert à ça en fait. Du coup, ben vu que dans la U36 il n'y a pas vraiment de GPS, ou je sais même pas si c'était une option dans le temps, je pense pas que ça existait déjà, je sais pas. Je me trompe, désolé les gars. En tout cas, mon GPS ça va être ça, ça va être mon iPad. Et du coup, ben, pour que ça se trimble pas dans toute la caisse, ben... on s'est fait un petit support ici, tranquille, et comme ça, ben, on est bien. Donc là, ben, t'as iPad, t'as tout ce qu'il te faut, donc t'as un plan. Bien sûr, si tu ouvres ta plan tranquille, donc tu mets ton GPS comme tu as besoin. Là, maintenant, j'ai pas internet, mais voilà. Donc ici, tu as tout ce que tu veux. Tu peux regarder même Perfect Automotive. Si tu es à l'arrêt, tu mets YouTube et puis tu peux regarder les vidéos de Perfect Automotive. Qu'est-ce que tu veux de plus? Du coup, on a un GPS ici. Là en haut, je peux brancher mon câble tranquille. Et la connexion, ben, je vais le faire de mon téléphone. On partage la connexion. Et puis comme ça, ben, parfait, net. Donc voilà, ça c'est pour le carpon de ça, donc je vous souhaite à tous une bonne journée et puis une bonne route et puis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.